Lançons une petite VOD YouTube. Voilà. Bonjour, si vous regardez cette VOD, c'est probablement que une run a été réussie. On est de retour sur Isaac, comme d'hab, parce qu'en ce moment, je suis à fond. De retour dans la to-do list des challenges, et je propose de commencer simplement par The Tank. Donc, c'est le prochain dans la liste, le 4 étant Locked. Donc, allons-y. Regardez, le tracker en haut de l'écran fonctionne. Il est quelque part là-haut, vous voyez? On a déjà nos items qui sont là. C'est cool, on est avec Magda. Magda qui a énormément de vie, qui est bien protégée et qui est très lente. Et notre objectif, c'est le pied de Mom. Alors par contre, ça c'est dommage. Je pense qu'il faudrait reset jusqu'à avoir... Le clavier ne répond plus. Ah, ça, c'est chiant sur Isaac. Clavier! Ça, c'est une tannée sur Isaac. Je trouve que ça arrive souvent, les trucs de contrôleur chiants. Il faudrait qu'on ait un bon objet ici, quoi. Ce serait dommage, vu toute la vie qu'on a. Merci, Imperium Faucon. Non, je suis toujours à la manette, mais pour reset, je crois qu'on peut le faire qu'au clavier. Putain, ils veulent pas me donner un objet, là? Ça te démontre que tu dois choisir le clavier... La manette, j'arrive pas à faire ma phrase. Peut-être que c'est un joker? C'est un joker. Bon, allez, on va partir là-dessus parce que sinon on va reset 10 000 fois. On va reprendre le full heal. Ça, c'est les troll bombs, The Tower. Donc non, on va plutôt prendre la pilule full heal. Et on a obtenu un familier contre deux cœurs qui balance un laser brimstone, donc ça reste pas mal, je pense. Merci encore, Imperium. Alors je vois que fan de Bri, si, 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 ça follow. Attention avec ce genre de pseudo. je te vois dans le chat. Molo, ce genre de pseudo, ça fait peur. Ah mais... Ah, je peux aussi détruire les rochers. J'ai jamais rien compris à ce jeu. Il n'y a pas grand chose à comprendre. On avance de salle en salle et de boss en boss avec des objets de plus en plus bizarres. Tu as des objets utilisables en haut à gauche qui se rechargent quand je fais des salles. Qui en l'occurrence là me soignent. Tu as un objet consommable en bas à droite, qui là est une pilule full heal, donc c'est plutôt cool. Et là, on est sur un challenge, donc on a vraiment un build spécial. D'habitude, on démarre pas avec tout ça, mais... Ça veut dire quoi, Théo? Ça veut dire time out, ça veut dire que tu es ban temporairement du chat. Et tu as aussi des trinkets, comme ce que je viens de ramasser, qui se met en bas à gauche. Par contre, je ne sais pas ce qu'il fait, car je n'ai pas la description des items. Voilà, donc le trinket, c'est un effet passif. C'est cool que je puisse casser les rochers. Comme ça, je pourrais passer dans des endroits secrets. Ah bah, comme par exemple, venir prendre ça. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir d'item room en plus. Damage up. Bien ça. Et là, nous avons Agalaz. Agalaz qui détruit les rochers, donc en vrai, ça va pas être très intéressant. À la limite, on va détruire ici. Et ça n'a rien débloqué de spécial. Ouais, j'ai eu un item dans une salle random. Écoutez, peut-être que c'est la bonne run. Hein. On va surtout pas marcher sur le rocher avec un...
Une bombe. Je suis bien lent pour faire ce boss. Ouais. Je suis très très lent pour faire ce boss. J'ai essayé de tuer le petit d'abord. Je pense à mon brimstone, donc le laser. Ah ! Casse-toi ! Casse-toi ! S'il te plaît. Ok, c'est bon. Oh, bah encore du damage up. Le pentagramme augmente mes dégâts. Vous voyez les stats à gauche, hein, pour ceux qui connaissent pas. Bon, ça veut dire plein de trucs, mais les dégâts, c'est très bien. On a des bons items hein, pour ce premier étage, je trouve. Peut-être que c'est complètement scripté, en fait. Avec ce challenge. Hein. En plus, notre objectif est pas très loin parce que c'est juste le pied de Mom qu'il faut tuer. J'ai pas de bombe. Ah bah voilà. Yes, tout ça pour ça. C'était très utile de venir ici. Je pense pas assez à mon familier. Heureusement que c'est le pied de Mom en soi, ouais. Une petite pilule speed up, ce serait pas de refus. Oh là. Est-ce que j'ouvre ça? Oui, puisque de toute façon, il n'y a pas d'item room. Nous avons une pilule qui va être... Health up. Ouais, c'est vrai que j'avais pas assez de vie. 404, c'est je crois un trinket qui fait que mes trinkets... Enfin, j'ai un effet aléatoire de trinket à chaque salle. Je crois. On peut essayer pour le lols. Ça peut être dangereux, hein. L'aléatoire. J'aurais peut-être dû... faire en sorte de protégo maxima mon Devil Deal, mais... Détruire le rocher au cas où il y a une trappe. Une clé pour une clé, ça me paraît... Bah en vrai... Ah, le cancer. Le cancer, c'est un bon trinket. On aime le cancer. Oh, regardez ça. Est-ce que c'est pas satisfaisant, ça? Et merde. Un roguelite? C'est pas plutôt un roguelike? Je confonds tout le temps les deux. Je crois que le roguelite, c'est quelque chose où si tu peux t'améliorer en dehors des runs, quoi, que ça reste. Tu me diras, il y a vraiment quelques petits éléments qui restent aussi de Isaac. Hein. Je vais aller chercher cette clé. J'ai toujours dit roguelite. Mais il y a les deux, en fait. C'est bien un roguelite? Ok. Enfin, un roguelite est un roguelike. Mais un peu plus spécifique. Je vais ouvrir ça. Parce que parfois, il y a des trucs hein, dans les serrures.
Oui, vu qu'on débloque des items pour les trouver dans des autres rooms, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est bien d'accord qu'un roguelite est un roguelike. Un roguelike garde le gameplay du jeu Rogue original. D'accord, je crois que roguelite, tu peux améliorer au fur et à mesure des runs. Ouais, c'est ce que je pensais. Roguelite, il y a une fin, donc officiellement, Isaac, c'est un roguelite. Jeu procédural, proche des règles du jeu Rogue. Quand tu perds intégralement tout ce que tu as gagné. Roguelite, jeu procédural où il y a des choses persistantes. Bon, ok. Donc, la commande, point d'exclamation Isaac, a une faute, parce que je crois que j'ai écrit que c'était un roguelike. Mais je crois que c'est ce qui est écrit dans le wiki, parce qu'il me semble avoir vérifié, justement. Mais en même temps, c'est fait pour expliquer aux gens qui connaissent pas. Alors, j'ai peur que dire roguelite à des gens qui connaissent pas. Enfin, peut-être mieux dire roguelike. Un petit HP up, parce qu'on en a jamais assez. Un trinket dont j'ignore l'utilité. Allez, dépensons des cœurs. Oh là là, vous me foutez des trucs là. C'est pas très important, ouais. Au pire, tu fais une commande roguelike. Roguelite, ouais. Un peu d'HP sur vos HP. Soit on prend ça, donc ça, je crois que ça fait des dégâts sur la salle en cours. Et ça, c'est un truc dont j'ai oublié l'utilité. Du coup, on va l'acheter. Missing page 2, Evil Up. Ça m'a rajouté un cœur noir. On va prendre les dégâts, hein. Missing page 2, je sais pas ce que ça fait. Hein. Bah, d'ailleurs, je peux mettre la souris là-haut. Missing page 2. Donc on a un cœur noir, 80 damage to enemy. Quand on hit. Ah mais il faut avoir un cœur. Et ça augmente les dégâts faits par les Black Earth. Donc je crois qu'il faut que j'ai qu'un seul cœur pour avoir le Missing Page 2 qui fonctionne vraiment. Il faut qu'on dépense ces foutus cœurs, quoi. Le trinket te donne des cœurs noirs quand tu es dans le mal. Ouais, mais le cancer. Le cancer. On va pas être dans le mal, évidemment. Ça va pas arriver. On dit toujours oui au cancer. Et ce livre est quand même appréciable aussi. Merci Anto. Je sais pas, on va voir, c'est notre premier essai. Je crois que j'ai raté tout à l'heure Malou, qui a resub pour son troisième mois in a row, 5 mois au total. Eh, hey, on pourrait sacrifier là-dedans aussi, hein. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ça fait quoi le cancer? Putain, merde, cette phrase, quoi. N'hésitez pas à réexpliquer ce que font les choses. Même si je le sais, ça peut aider de le lire dans le chat, hein. Même si c'est des trucs obvious. Ça aide les rediff YouTube, ça aide les gens qui connaissent pas bien. Cancer, augmentation de la cadence de tir. La cadence de tir étant la catégorie tirs voilà, dans les stats à gauche là. C'est la deuxième, c'est tirs. Donc quand on voit tirs up ou tirs down, c'est la cadence de tir. Hello miss. Touche le trinket au moins et reprends le cancer après. Pourquoi? Pour pas qu'il respawn?
c'est ça? C'est pas juste une augmentation de la cadence de tir, parce que contrairement à la majorité des items pills qui peuvent l'augmenter, cancer, c'est un des seuls qui permet de dépasser le maximum. Ah ouais, ah, le cancer, quoi. On va à une vitesse ahurissante. Mon item qui se recharge de 2 parce qu'on était dans une grande salle. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux mourir? Il est mort. Tant pis. Ça a augmenté mes chances de Devil Deal en plus. Oh, quel connard. Une carte, The Empress. Ouais, on peut tester. Ça augmente mes dégâts temporairement pour la salle. Tiens, puis prenez-vous ça. Oh, ça m'a pas donné de Devil Deal. Speed up. Eh ben, c'est pas de refus. Speed up encore. Vas-y, 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 speed up, on y croit, on y croit. Bombs Arkies. Ok, bah ça m'a donné masse clé. Je propose... Maintenant qu'on a perdu notre cœur noir, d'aller se sacrifier un petit peu, d'aller dans quelques salles, des trucs cool quoi. Peut-être ici. Ouais, rip mes bombes. Le shop. Tiens, bah maintenant qu'on a du fric. Tiens, il y a encore des pilules. Ça vous dit pas à vous de vous gaver de pilules? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Positif, positif, positif. Ok, on s'en fout. Friends till the end. C'est pas terrible. Attends, alors que voilà, The Lovers, on s'en fout. Aïe, 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 aïe. J'aurais bien voulu un petit speed up, moi. Vous l'aviez vu ce rocher marqué là? Hein? The Lovers pour la Sacrifice Room. Ouais, mais est-ce qu'on veut vraiment se sacrifier? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Est-ce qu'on va faire pop des anges ou des cœurs? Enfin bon. Pour tester. C'est ça. Tiens, regarde, ici. Ici. Something wrong. Something's wrong. La Sacrifice Room, ça reste obscur. Bah, je commence à comprendre un petit peu. En gros, tu sacrifies un cœur et petit à petit, tu avances dans une liste de choses qui peuvent popper. Jusqu'à, je crois, avoir les anges. Que si tu tues, tu as les morceaux de clé pour Méga Satan, là. Mais au début, tu peux rien avoir, un coffre, une pièce, je crois qu'il y a des cœurs, mais c'est... il y a une espèce de liste comme ça et tu continues à te sacrifier, donc il faut avoir pas mal de cœurs sur l'étage. Tu peux même avoir un TP chez Méga Satan. Ah bon? Ah, c'est dangereux votre histoire. Merde! Je me suis trompé de bouton. The Lovers. Est-ce que ça débloque quelque chose de prendre plein de pills pendant une run? Je crois pas, non. Peut-être la première fois, mais ça doit faire longtemps. Allez, là, débloque un truc. Alors là, j'ai trigger mon Missing Page 2 parce que j'ai qu'un seul cœur. Alors ouais, super. Il y a des cœurs sur l'étage avant d'utiliser le full heal. Puisqu'on en est là.
Il y en a même un, regarde, il y en a même un au niveau du boss. Qu'est-ce qu'on est lent. Je pensais que les pilules allaient me donner du speed-up, quoi. Oh là là! Il y en avait deux! Faut aller jusqu'à 10 en vrai. Tu t'en fiches des deux derniers sacrifices. Les deux derniers sacrifices, c'est les anges? Faudrait que je compte, alors. Je savais pas que c'était 12 os. D'ailleurs, j'ai une bombe. Regardez donc. La salle secrète. Le premier ange était à 9. Il y a un ange à 9 et un à 11. Il faudrait que je révise ce genre de truc parce que je commence à comprendre, mais c'est encore, effectivement, comme disait l'un d'entre vous, assez obscur. Alors ça, s'il y a les trolls bombes, ça veut dire que j'ai pas les cœurs de partout. Si, je crois. Attends, je peux sortir. Hein. Parce qu'on s'en fout de l'ange. Ouah. On s'en fout sur cette run de l'ange, puisqu'on va au pied. Allez, c'est bon. Je pense qu'on a fait la dose. J'imagine qu'on peut s'arrêter là, voilà. Je pense que c'était le 10e coup, celui-là. Maintenant, faut avoir un shop intéressant. À l'étage suivant, hein. J'ai des pièces, je veux dépenser. Allez, tiens. La suite, c'est l'ange et le TP Satan. Bon, bah, c'est pas la peine. Hein. On est bien comme ça. C'est vraiment le perso fait pour ça, en plus, elle, parce qu'elle a déjà masse PV, même sur sa version de base, quoi. Allez. Oh là là, le petit cœur gris. C'était pas à me donner des cœurs, ce sera gentil. Ou attention! Ah, regardez ça, c'est bombe là. Ah, il est sympa mon brimstone là. Il fait plaisir. Ça. Ok, le shop est là. Hein. Allez. Alors, si je me trompe pas, nous avons la petite sacoche là qui fait que je peux avoir deux trinkets en même temps et le booster Pokémon pour avoir plein de cartes. Et nous avons The Tower, donc les trolls bombes. Ça, c'est pour se couper la tête pour pouvoir voler pendant une salle. Deux de diamants pour doubler nos pièces. Deux de diamants pour doubler nos pièces. The Sun pour découvrir tout l'étage et se full heal. Enfin, découvrir la map de tout l'étage, je crois, et se full heal. La sacoche te permet de faire drop des collectibles quand tu prends des dégâts. Ah, d'accord. Il y a une histoire de sacoche comme ça, non?
Ouais, j'aurais pu avoir plein de pièces du coup si j'avais su. Bon, c'est pas des cartes de dingue. Bon, on verra si je récupère plein de pièces, on doublera les pièces. Mais ça fait des dégâts aussi, The Sun ? Ok, une bonne carte quoi, hein. Elle fait plein de choses. C'est bloqué dans un coin là. Ah, bah là regarde, t'as des trucs mais faut voler. Ouais mais en même temps on va peut-être pas s'opti à fond là. Ah mais si j'aurais dû. Ok je suis con. Puisque je peux pas aller chercher les autres. J'aurais dû prendre la carte où on se décapite. J'avais la flemme d'aller de... en arrière, tellement on est lent, mais... Ah, il est chiant, lui. Un peu relou quand on est là en plus. Ok. Lock up. Ok. Lump of coal. Lump of coal qui... Damage base on tierce distance. D'accord. Donc ça reste du damage up si je reste à distance. Je vais aller doubler mes pièces et on va se barrer, on va pas s'amuser à... Voilà quoi. Plus tu tires, les tirs s'éloignent de toi, plus ils sont forts, ouais. Ok. Non. Alors. Double. Double. The Sun. Je garde The Sun. On se barre. C'est bon, on va pas se battre dans l'opti sur un challenge qui va jusqu'au pied, ça devrait aller. Hello Yukiko, écoute, pour le moment ça va, on est sur un challenge qui semble pas trop difficile, donc ça va. Après tout peut basculer très vite. Hein. Oh putain, tu vois. Et j'ai encore posé une bombe, je me trompe de bouton, The Sun. The Sun, donc, qui me montre toute la carte. Je vois le boss, je vois la secrète. Ok, bon, on est sur le bon chemin. Quoi. Là, on est dans l'étage du pétrole. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ça donne envie. Carte de membre. Ah oui, c'est vrai, on a déjà eu ça. On a déjà eu. J'aurais pas dû dépenser avant de regarder ce qu'il y avait en bas. Pouah, c'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air... je sais pas, l'objet me semble cool.
Je sais pas ce que c'est, hein. Ça te permet de voler. La colombe de la liberté, ouais. Allez, on va essayer de récupérer du fric. Allez, là! Allez, on va essayer d'acheter ce truc. Ah, j'ai plus de bombe, quel idiot! Il me faut une bombe pour ouvrir la secrète. Oh, j'ai des clés à foison. Tiens, c'est cadeau. Encore! Encore! Super. Friends till the end. Lockdown. Dis donc! Tu serais pas un connard, toi? Ouais. Ça c'est non. Je crois que ça fait spawn des bombes. Quand je suis touché. Il est parti. On a donc une petite mouche. Il y a un coffre à ouvrir, mais... Mais en vrai... Ouais. Si ça pouvait me donner un petit speed-up, ce truc, en plus, là. Allez. Flight plus Spectral Tears. Ok. Prends pas ça. Ouais, là, elle est vraiment... elle est vraiment mal. Cette gueule qu'elle a. Tu veux pas mourir? S'il te plaît. Tada. Voilà des pièces. Ok, dernier étage donc là. Je suis pas sûr de vous aimer. Hein. C'est pas possible ce genre de salle, c'est terrible! De sous en vrai, je sais pas pourquoi je viens ici. On va pas dépenser nos trucs. Empress, donc un damage up pour la salle, donc à utiliser plutôt dans la salle du boss. Un petit cœur gris. Ouais, Spectral Tears, à pas oublier. Tu m'as fait peur, toi.
Nous avons des clés. Moi, je dis qu'on est sur le bon chemin, là. C'est cette grande salle, c'est sûrement la bonne. Ouais. Ah, c'est vrai que ça reste. Je vais regarder ce qu'il y a en bas avant d'acheter. Ça, ça donnerait pas mal de cœur. Est-ce qu'on a franchement besoin d'un plus un maintenant et d'un sac en papier? Le sac, c'est quoi déjà? Il me semble que le sac est bien, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin maintenant? Alors que le challenge va s'arrêter bientôt. Il y a plus de sacs qui drop en fin de salle. Ouais, bah voilà. Donc je suis pas sûr que... À la limite, on va plutôt essayer d'acheter la poupée, là. Ça donne des cœurs, je crois. Ah, j'ai voulu tuer ma petite mouche. Ça te dit, tu te casses? Merci beaucoup. Hide Princess, no. Faut ouvrir, c'est important. Le boss est ici. Il est là avec tout son gang de cravates. Ce sont des cravates, hein. On peut confondre. Mais c'est bien, c'est bel et bien des cravates. Hein. Cette pilule va nous sauver la vie. Lock up. Un pour or pour stepper au boss alors qu'on est à côté du boss. Bon. C'est marrant que ce soit ici. Je vais tout péter. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter... Allez, on se casse. On va quand même réussir à tuer le pied. On a le bouquin, on a Ziem Press pour avoir des dégâts. Isaac. Ah! La môme rouge. Longtemps à charger ce machin. Ça va, c'était simple. Et nous débloquons la rune of Anzus. Anzus, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est débloqué. Et ça, c'est bien. Anzus, Anzus, je ne sais pas. La Zouz. Ça permet d'avoir la map sur l'étage. C'est un the world. Je comprends pas pourquoi il y a des runes qui font exactement le même effet que d'autres. C'est bizarre. Révèle entièrement toute la map, y compris les secret rooms. Mm-hmm. Très bien, très bien. Bien écoutez, c'est débloqué. C'est fait. Nous avons un challenge en moins. À faire. Très bien,
Ça s'est bien passé, c'était tranquille. C'était très lent, mais c'était tranquille. À bientôt YouTube, si tu as vu ceci, big up à toi. Bye bye.